Gilad Shalit sera bientôt libre. Le soldat israélien détenu par le mouvement palestinien Hamas à Gaza depuis plus de 5 ans devrait retrouver les siens d'ici quelques jours. Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, a indiqué ce mardi soir qu'un accord a été conclu jeudi dernier entre Israël et le Hamas sous l'égide de l'Égypte. Une liberté en échange de la libération d'un millier de prisonniers palestiniens. Parmi eux, une figure, Marwan Barghouti, l'ancien patron du Fatah en Cisjordanie pendant la deuxième intifada. Il purge actuellement 5 peines de prison à vie pour son implication dans des attentats meurtriers en Israël. Pour la famille du soldat Shalit, c'est une nouvelle extraordinaire. À Gaza, des dizaines de milliers de Palestiniens sont descendus dans les rues pour célébrer cet accord. Gilad Shalit a été enlevé en juin 2006. Il est depuis détenu au secret.